Salut tout le monde, j'espère que vous allez bien. On se retrouve aujourd'hui pour le 11e épisode de FIFA 14, ou le 12e peut-être même, je sais plus exactement. Un petit trou de mémoire. Alors on s'était laissé la dernière fois avec la victoire 1-0 sur Manchester City en coupe, avec un joli but à la 94e dans les prolongations. Donc on va essayer de faire un épisode un peu mieux quand même que celui de mercredi qui avait été... Au final, pas top. Ah, quand on regarde bien, oui, j'ai fait des passes décisives, mais j'ai pas mis beaucoup de buts. Et j'ai quand même fait un joueur buteur. Si j'avais voulu faire des passes décisives, j'aurais fait un milieu de terrain, un milieu offensif. Et ça aurait été peut-être plus facile de faire des passes décisives. Allez, il va falloir que je me recentre un petit peu, surtout au niveau de mes actions. Pour essayer de les concrétiser beaucoup plus que ce que je fais déjà. Ouais, bel arrêt du gardien, une première occasion pour Reading. Centre sur le défenseur. Allez, c'est bien joué. Voilà, par contre là, il a perdu le ballon bêtement. Ah, bien joué, il m'a bien contourné. Allez, encore. Il va faire un bon pressing là. Ah, c'est bien récupéré ce ballon. Par contre, mauvaise relance. Non. On est vers la zone de vérité. Oh non, c'est pas là du tout. C'était la bonne direction, mais pourtant j'ai appuyé très très peu sur la croix. Je pensais qu'il allait la mettre juste en retrait derrière moi et pas aussi loin vers le milieu de terrain. Williams. Allez, c'est bien joué. Ouais, ça centre, bon centre. Ouh, ça faillit. Ça aurait pu faire but là, c'est bien repris de la tête. Remplacement imminent pour l'équipe visiteuse. Aïe aïe aïe, on a déjà un blessé. Il vaut mieux ne pas insister et faire sortir le malheur. Ah bah ouais, l'épaule là, carrément. Ouf, heureusement qu'il y aurait eu hors-jeu. Hein. Mais imaginez-vous un bug, il prend le ballon, il marque. Ça aurait pu. Il est à la récupération au milieu de terrain. Dommage, je m'attendais pas à avoir le ballon en fait. Je l'avais complètement perdu des yeux le ballon. Ah, bien défendu ça. Les 30 derniers mètres. Allez. Il faut que la défense soit bonne, efficace. Qu'on ne laisse pas. Voilà. Qu'on ne laisse pas rentrer. Bon ballon ça. Taylor qui perd beaucoup de ballons là. Ah, par contre, si je me bats, ouais, c'est-à-dire, faut quand même que derrière, faut que ça garde le ballon. Là, Taylor, il fait vraiment un début de match assez catastrophique. Taylor, il perd tous les ballons qu'il touche. C'est le premier qui garde. Oh, le bon ballon. Ah, dommage. Le défenseur qui dégage comme il peut. Là, ça dégage. Ah, c'est bien récupéré quand même, Reading qui dégage pas n'importe comment. Chris Gunter. Voilà. Allez, je vais essayer d'éviter de faire trop courir mon joueur pour garder un petit peu d'endurance pour la deuxième période. Là, je sens que ça va être un match long et compliqué ça. Peut-être l'occasion. Pierce. Oh, j'ai failli. Comment rugby, on va laisser jouer. C'est arbitré dans l'esprit du jeu, c'est bien. J'ai failli récupérer ce ballon là. Un bon pressing. Ah, le ballon est bon. Et ouais, Taylor qui perd encore le ballon. Il n'en a pas gardé beaucoup des ballons, Taylor. Hein. Il en a perdu beaucoup par contre. Hein. Il est hors jeu. Ouh, ça doit être limite. Hein. Oh, il semblait être parti bien. Son élan, il a sifflé hors jeu. Aïe, c'est juste. J'étais parti dans le bon timing. Là, c'est un coup de poker après un hors jeu comme ça. Voilà. Et c'est croisé, non pas assez. Dommage. Pas assez croisé, beaucoup trop vers le milieu du but. Et là, pour marquer honnêtement.
Il a vraiment fallu que le gardien soit maladroit. Allez, milieu de terrain. Ah, ça récupère le ballon. Ah, dommage, la perte de balle là. Et mes partenaires qui ont du mal. Ça perd beaucoup de ballons au milieu de terrain. Ah, c'est moi qui suis obligé de venir encore là. Ça n'ira pas plus loin. Allez, peut-être une bonne occasion. Elle s'est croisée. Oh, c'est le poteau. Encore une fois, je touche le bois. C'est le poteau qui vient sauver le gardien. La passe parfaite. Ouh, il y a faute. Oh, par contre, oui, il aurait pu la siffler celle-là. Et une superbe action, un bon ballon dans l'espace là. Et bien croisé, un tir très très bien croisé qui vient heurter le poteau. Et on va la voir, le gardien il est battu. Justement Hervé, j'avais peur que vous me demandiez de faire une analyse. Ouais, c'est dommage. Hein. C'est dommage, ça mérite beaucoup mieux. C'est reparti pour 45 minutes. Ouais, on espère que le pire est passé et que les deux équipes vont enfin se libérer et proposer du jeu. Ah bah, il va falloir que mes partenaires se lâchent un peu là parce que ça commence à devenir un peu compliqué là de faire du jeu. Je vais pas pouvoir le faire tout seul à chaque fois. Ah, il y a faute. Peut-être même prendre un carton. Que cette faute mérite un carton. Je vous laisse vous faire votre opinion sur ce tacle. Non, j'ai pas pris carton, ça va. Le ballon, en tout cas, un tacle dangereux quand même. Ce centre, on ne trouve personne, à part un joueur adverse. Voilà, bien. Allez, bon ballon. Le ballon d'attaque. Oh non, il la garde trop, il la garde trop, Taylor. Beaucoup trop. Sur le ballon. J'ai remis un bon ballon. Allez. Bon allez, l'ouverture du score est là. Ah, une petite danse là-bas, mais c'est pas pour moi. Ah bah écoutez, hein, ça fait 1-0. C'est toujours ça de prix. Ah, je me bats bien pour récupérer le ballon là-haut. Après, je fais mon boulot de pressing. Regardez, j'ai... Ma note a bien augmenté parce que c'est grâce à moi qu'on récupère le ballon, qu'on marque. Et bien traverser le ballon au moment de la frappe. Après, pour le moment, j'ai pas de chance au niveau de mes, moi, de mes actions. Hein. J'arrive pas à les concrétiser. J'en ai quelques-unes. Prochain arrêt de jeu. Les visiteurs vont faire rentrer un petit peu de 109. Putain, c'est la dévier. J'arrive ici. Il y a faute. Il va y avoir un changement. Le joueur qui balance un petit peu son adversaire. Quand même. Ah, il y a faute, c'est vrai que effectivement. On voit bien qu'il y a un peu plus qu'une simple poussette. Ah, j'ai voulu mettre ma tête. Ah, c'est le milieu. Voilà, ça récupère. Par contre, derrière, c'est mal exploité ce ballon. Bien récupéré, c'est dommage. Attention. Ah, et la défense qui tient le coup. McGinn. Mais au ballon. Dommage. Là c'est frappé. Oh là, c'est oulala. Manque de puissance. Un cruel manque de puissance. Quoi qu'il arrive, si ça avait été cadré, je pense que le gardien aurait eu le temps d'aller toucher chaque poteau en a récupéré le ballon. Un ballon bien récupéré. Attention, pas commettre de faute. Par contre, bien récupéré, mais mal exploité par mes partenaires. Là, je me bats, hein. Je m'arrache là pour récupérer les ballons. Et mes partenaires, eux, par contre, les exploitent très très mal. Ouais, voilà. Regardez, je me suis bien battu pour prendre ce ballon pour la dévier pour Taylor. Derrière, c'est mal exploité. Oh non, bah oui, c'est sûr, j'étais hors jeu moi. Ouh, heureusement, bien défendu là, parce que là j'allais frapper.
Ouais. Voilà, mais non, il perd le ballon. Il n'arrive pas à contrôler le ballon sur son tacle. Ah, il va. Ouf, dommage. Pire ça. Allez, encore. Stephen Kelly. Ah, j'ai eu qu'une vraie occasion de frappe. Hein. Une vraie bien placée. Après, c'est. Oh non, il a mis mal. Il a mis au seul endroit où il y a un défenseur quand même. Oh, le... ah, on va revenir à la faute. Alors, on joue vite ce coup franc. Oh, le bon ballon. Oh, la belle allez, elle est dedans. Et ça fait deux. Un petit pas de danse. Bah, un petit moonwalk. Heureusement, je pensais qu'il y avait hors-jeu quand même. Je me suis dit, tant pis, je vais au bout, on verra bien. La belle récupération de balle. Eh, là-haut, ça court. Et là, par contre, je l'ai mise dedans, j'ai pas pris de risque. Voilà, allez, on est bien en place. Voilà, c'est bien joué ça. Hop, 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 dommage, le contrôle du dos. Williams. L'équipe à domicile qui devrait bientôt effectuer un changement. Oh, le tacle était bon. Ouh, mon partenaire a pas joué le jeu, c'est dommage parce que là, mon tacle était parfait. J'avais réussi à prendre. Stephen Kelly. Allez, allez. Il y a du monde autour on va récupérer ce ballon là, ça serait pas mal. Ce serait un bon endroit pour lancer un contre après. Ça va aller jusqu'au centre. C'est centré. C'est récupéré par Rilling. Ouh, l'arrêt du gardien. L'arrêt du gardien, ça aurait pu aller au fond. Et moi je vais me replacer là. En général, c'est dégagé par ici. On va-t-il marquer la tête ? Et le bon placement du gardien. Qu'est-ce qu'il va faire ? Il dégage. Ouh, j'ai réussi à la dévier. Et je la reprends là-haut. Oh, la belle frappe. Ouh, elle est à côté. Trop croisé. Ça a un peu été mon cas. Bien souvent, là, entre l'épisode dernier et là, des frappes beaucoup trop croisées. Pour une fois, c'est pas à moi que ça arrive. Je vais être hors jeu. Ouais, j'ai voulu frapper instantanément et mon joueur a pas voulu. C'est dommage. Il a taclé alors que je suis sûr que s'il tente une frappe, il arrive à la faire. Ça y est, c'est bel et bien fini sur ce coup de sifflet de l'arbitre. Bah écoutez, 2-0. Avec un bon match de mon joueur, c'est vraiment dommage. Là, on voit la première frappe en première mi-temps qui vient taper le poteau. Et qui ne rentre pas. Après, c'est l'ouverture du score. Et là, par contre, une belle frappe bien croisée, cadrée pour une fois. Et là, c'est l'occasion de Reading avec la superbe arrêt de mon gardien. Et là, la dernière, un peu trop croisée. Allez, note de match 9,5. C'est une belle rencontre. Hein. Très, très, très bon match celui-là. Ok, Blackpool contre Bournemouth. Bon, voyons voir au classement un petit peu. On a dû remonter un peu. Bristol, on est à 3 points de Leicester. Donc c'est pas mal. Voyons voir contre qui allons-nous jouer là en championnat. Contre Charlton. Bon, on s'approche un petit peu des objectifs de... que j'ai pour la saison. Je suis à 11%, je les ai quasiment tous, il me manque plus que les buts. Et ça sera pas mal, j'aurai déjà atteint les objectifs bien avant la fin de cette saison. Allez, on va jouer en rouge. Contre Charlton, ça peut être un match serré. On joue à domicile. On a toujours un petit peu de mal à domicile et c'est bien dommage. Ah, la lucarne, c'est facile. Ouais. Oups là, pardon. C'est pas ça, c'est ça. Si je me plante de touche. Alors que Franck Sauzet me rejoint pour vous commenter cette rencontre. Salut Hervé.
au programme de ce match. Allez, l'opposition, allez les gars, ouais, le milieu de terrain qui récupère ce ballon tout de suite. C'est bien joué. Votre sentiment, Franck, sur cette équipe qui va jouer à domicile et ces joueurs qui font mieux que les objectifs fixés en début de saison, ils ne se voyaient pas si bien classés aussi tôt dans la saison. À eux de maintenir le cap. Ah non, il y a eu hors-jeu. Il a pris un coup. Heureusement. Il garde sa place sur le terrain. Vous en savez un petit peu plus ? Bien, c'est la cheville qui a été touchée, mais le joueur peut reprendre sa place sur le terrain maintenant. Merci. Allez. Pour ces informations. Encore un bon pressing. Voilà, c'est bien. Oh, par contre, il y a faute là. Est présent d'entrée de jeu. Ah, mais il revient à la faute avant. Oh, il n'y a pas grand chose quand même. Hein. Voilà, j'ai bien gêné. Il est obligé de relancer loin. C'est repris. Taylor. Ouf, c'est l'or qui a fait récupérer ce ballon, il y avait faute. Bienvenue. A voler. Oh, elle est à côté. Ouh, c'était bien joué là de la part de mon partenaire. Une très très belle reprise de volée. Ça aussi, ça aurait mérité d'aller dedans. Ah, pas trop laisser le côté. Johnny Jackson. Et oui, un partenaire qui lâche le côté complètement. Allez, on concède la touche. J'ai essayé de la reprendre là-haut. Oh là là, dommage. J'ai failli récupérer ce ballon là. Derrière, j'aurais eu un face-à-face avec le gardien. Et c'est bien joué. Ça va, la défense reprend bien. Je suis hors-jeu un peu, moi là. Taylor. Ça va. Allez, peut-être une bonne occasion. Peut-être le but. Ah, ouh, c'est à côté. Ouh, celle-là, je la vois dedans. Moi. On verra ça à la mi-temps, mais moi, je la vois dedans. Allez, bien repris, encore une fois. Voilà. Bien joué. Le bon centre. Oh là là là, la passe décisive encore une fois. Mais mon partenaire qui a pas su prendre ce ballon. Bon, par contre, il est blessé. On récupère ce ballon dans notre jeu. Est-ce qu'on était mieux placé au bord du terrain pour nous dire si sa blessure est grave ou pas? Un coup à la cheville sans doute. Mais il fait signe qu'il peut continuer à jouer. Merci. Eh ben tant mieux. On va pas faire les changements tout de suite. Ah, je me suis laissé avoir là. Ouais, le duel. Voilà, Taylor qui récupère bien. Ah, c'est bien joué, ça combine bien là. Est-ce qu'il va centrer? Allez, mets là. Oh, le gardien là, Hammer, qui intervient bien, qui a bien coupé là, cette passe là, qui aurait pu donner une belle occasion de but. Ah bah, c'est bien récupéré ça. Dommage. La défense qui est bien intervenue. Il parvient à briser cette action. Ah, c'est bien joué encore là. Taylor. Et le but pour conclure peut-être. Allez. Oh, elle est à côté. La frappe à côté. Ah là, on avait bien combiné. Taylor qui m'a mis un bon ballon par-dessus. Moi, j'ai réussi à faire un bon contrôle dans la surface, à enchaîner avec une frappe, mais malheureusement, c'était pas cadré. Très bonne lecture du jeu là sur cette interception. Taylor. Allez, va. Ah, je me suis fait bouger là. Johnny Jackson. Allez, encore. Ah ouais, là, le pressing en deux temps et du coup ça n'a pas marché. Oh, ça c'est une bonne récupération. Ouais, belle frappe. Oh, dommage, Taylor qui cadre pas. Encore une fois, Taylor qui est plutôt à droite d'habitude. Et là, ça ne rentre pas. On a du mal à trouver le cadre. Il nous manque juste ça. Réussir à cadrer nos frappes. Après, une fois qu'on va cadrer, on trompera forcément le gardien à un moment ou un autre. Johnny Jackson. Allez, encore.
Ah, dommage. J'étais venu là. Oh, le ballon peut-être récupéré. Allez, le milieu de terrain là. Il récupère. Ça va. On s'approche. Ah, ce ballon est bon. Allez, mais là. C'est encore à côté. Hein. Ah, j'ai encore mis un super ballon. Une passe clé. Mais malheureusement, ça cadre toujours pas. Ça a commencé à devenir frustrant et inquiétant là de pas marquer. Allez, c'est dedans. Oh, le poteau. C'est le poteau encore. Ah, mais c'est pas possible. Je suis maudit. Je frappe encore le poteau. Allez, poteau et moi, c'est une grande histoire d'amour quand même. Oh non, je me suis un petit peu enflammé là. Allez, mais là. Oh là, toujours pas. Toujours pas, ça ne rentre toujours pas. Que ce soit mes partenaires ou moi, c'est toujours à côté là. Il va falloir qu'en deuxième mi-temps on fasse quelque chose. Alors quand même qu'on trouve l'ouverture. Après, j'ai poussé mon ballon un petit peu loin. Le coup d'avance, c'est dommage. J'avais réussi à éliminer mon vis-à-vis et je suis allé m'empaler sur l'autre défenseur. Ah, une première volée, regardez. Passe juste à côté. Après, c'est la volée de tout à l'heure. Je vous disais que je voyais dedans. Ah, elle passe pas loin. Hein. Ah, ma frappe, c'est pareil. Je touche le petit filet. Ah, il manque pas grand chose quand même pour que ce soit dedans. Et c'est pas grand chose, il va falloir que ça aille, que ça soit bon maintenant. Hein. Ah, le ballon va être un peu long. Ah, ça va être en sortie de but. Dommage. Allez. Là, faut que ça aille au pressing. Sans trop libérer le côté, voilà. Ça s'approche. Taylor. Attention. Et c'est dedans. Il y a hors-jeu. Un chouïa trop tôt et l'arbitre assistant l'a bien vu, il y avait hors-jeu. Ah ouais. Ah, je suis parti trop tôt. Là, la défense qui est bien montée. Ouais, c'est dommage parce qu'on avait bien combiné après cette récupération de balle là. Bien évité. J'avais bien éliminé là, mais juste au dernier moment, il a réussi à revenir pour tacler le défenseur. Celui-là, je l'avais bien éliminé. Ah, c'est bien récupéré encore. Hein. Par contre, là, mon partenaire. Et ouais. Je sais pas si c'est le fait que ce soit pas lui qui a récupéré le ballon qui l'ait perturbé. Mais toujours est-il qu'il avait mis beaucoup trop de temps et au final, il a perdu ce ballon. Ouais, j'ai essayé de repartir sur le côté, mais non. Allez. Ah, c'est bien. Ah, le ballon est bon. Dommage. Un peu trop sur le défenseur, pas assez sur le côté. Oui, le bon tacle. L'entraîneur de l'équipe à domicile qui va faire rentrer. Eh non. Et non, le ballon beaucoup trop long. Ça fuse, là, faut vraiment que ce soit millimétré. Il faut que je puisse la contrôler avant le rebond. Sinon, derrière, c'est cuit. On fait un bon pressing, mais ça suffit pas. Il est hors jeu, ça va. Oh, le drapeau qui s'est levé. J'aimerais revoir ça. Ah, j'ai pas réussi. Dommage, hein. J'ai voulu juste la dévier sur mon partenaire qui était bien parti en profondeur. Si je la dévie, je pense qu'il peut y avoir but. L'entraîneur de l'équipe visiteuse qui donne ses dernières touches pour nous. Le joueur qui va faire son entrée. On voit que son système ne fonctionne pas. Alors il change. Ah, dommage. C'est tout pour la gagne maintenant, clairement. Ouais, il fallait intervenir, c'est bien. Allez, la défense qui récupère, ça va. Ah non, je vais aller m'empaler. Ah ouais, là j'ai mal joué. J'avais pas vu le deuxième joueur, le deuxième rideau défensif, je l'avais pas vu. Et là, faut que ça défende bien. Hein. Parfait, ça. Non. Bien revenu en arrière, il fallait, heureusement. Allez, un pressing là.
Allez, va, bien. Il s'empare de ce ballon. Allez, peut-être une bonne occasion. Ouf. S'il la passe, celle-là, il doit la mettre au sol. Pas pour moi, mais pour mon partenaire qui est parti plein axe. Johnny Jackson. Il doit la mettre au sol et pas en l'air. Allez, on concède la touche. 74e, le score qui ne progresse pas. Ce match, alors il tente, il a peut-être raison. Allez, le ballon est bon là. Celui-là va pas sortir. Le centre. Je suis là à la tête. Oh là 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 là, dommage. J'étais là. C'est moi qui ai lancé cette ouverture sur mon partenaire et c'est moi qui suis à la conclusion. Il faut que j'y aille. Allez, je récupère la touche, c'est bien. Il donne un ballon là. Par contre, là, j'ai pas beaucoup de solutions quand même. Hein. L'équipe à domicile qui devrait bientôt effectuer un changement. On s'approche du but. Et c'est centré. Ah oui, le bon centre. Il ouais, dommage. Après, peut-être un manque de conviction là. Mais mon centre est pas top non plus, hein, faut être honnête. Allez, encore un pressing. Il faut pas les laisser. On les laisse trop progresser là. Ça va. Ouais, c'est très bien taclé ça. Allez, siffle hors jeu. Visiblement, l'entraîneur veut tenter le tout pour le coup. Ah, il y a rien à dire. Se contenter de ce match nul. Match nul n'est pas une bonne opération pour nous. Benny Hollands. Elle est déjà allumée. Ah, dommage. Elle n'a pas été bien mise. Je sais pas pourquoi il a mis l'extérieur du pied là, mon joueur du moins. Oh, j'ai tenté d'être là au duel. Allez, le gardien prend la main. Magdine. Excusez-moi. 3 minutes de temps additionnel. Il s'avance vers la surface. Oh putain, j'ai pas pu frapper. Putain, j'avais éliminé. Hein. Mon joueur qui a pas poussé assez loin. Ah, c'est contré. La frappe était bien. Hein. Je pense que je l'avais croisé. Mais elle a été contrée. Allez. Eh, dommage. Et voilà, un match nul. Ah, on a eu des occasions encore. Hein. Ah, j'ai encore frappé le montant. Une prise de risque assez timide, hein, de la part des deux équipes. Enfin, on a eu un nombre d'occasions assez importantes. Hein. Ah, il manque pas grand chose. Il la prend externe, c'est dommage. Très heureux de vous avoir fait vivre la ce poteau. Match. Ah non, c'est pas la poteau. C'est celle-là qui est sur le poteau. Voilà, poteau. Derrière, hop, là il y a eu poteau aussi. Et c'est repris par le. C'est juste à côté. Aïe aïe aïe, c'est dommage. Ça méritait mieux. Ça méritait beaucoup mieux quand même. Là on aurait mérité de s'imposer. Et on repart avec un match nul. 3 semaines d'absence. Ah bah au moins. Ah, par contre, mon joueur va être en forme après. Hein. Hey, si j'avais marqué au moins un but là sur ce match-là, j'aurais été bien. Et là, j'avoue que j'ai du mal à tenir mes objectifs. Surtout celui du ratio. Pourcentage de tir, but marqué. Allez, le dernier match de cet épisode. Ça va être contre Derby Country. Ouais, ça va pas être simple. Ça va pas être simple du tout. Ah, du coup, j'ai pas de passe décisive. Ah, mon joueur qui va vraiment être frais, même plus que frais, ça devrait quand même être un bon match. Je pense que mon joueur va peut-être pouvoir réussir à faire quelque chose quand même. Voyons voir un peu. Je voudrais juste voir si ça passe au-dessus. Allez, ça passe au-dessus. Allez, je suis en compagnie de contre Derby Country. Salut à tous. Le coup d'envoi à l'instant.
Au programme, un match entre Derby County et Bristol City. Ah, Derby County, pardon. Donc, à quoi vous attendez-vous de leur part pour ce match à l'extérieur? Il y a un entraîneur tout sourire, évidemment, des résultats qui dépassent ses propres objectifs. Ah oui, on avait comme objectif d'être dans le milieu de tableau. Et on va réussir à jouer la montée. Et elle n'ira pas plus loin cette action. Oh, ouf. J'ai tenté de passer entre les deux. Ça a failli, hein. Ouais, par contre, après, le pressing n'est pas bon parce que ça a réussi à repartir sur le côté. Russell. Allez, allez, allez. Chris Martin, oh, c'est bien joué là. Un hors-jeu, heureusement. Le drapeau s'est levé. Il a déclenché son appel de balle un petit peu tôt. C'est ça, un peu trop tôt. Allez, de la tête, hein. Je prends quelques ballons, mais c'est pas évident après de réussir à bien les placer là où je veux. Le ballon est bon là par contre, hein. Tomber peut-être. C'est une tête. Ouais, ça va. C'est bien arrêté par le gardien. Allez, lance sur le côté là-haut. Ah non, ça dégage. Ouais, ça avait dégagé. Le gardien qui aurait pu se relancer à la main tranquillement. Voilà, tranquille, hein, vous avez vu. On commence un pressing, on s'arrête. Moralité, ça peut repartir sur le côté. Voilà, elle n'a pas touché beaucoup le ballon encore. Hein. Là, c'est Derby qui monopolise bien ce ballon. Qui va aller centrer. Peut-être l'occasion. Peut-être bien là. Voilà, ça centre. Allez, allez, allez. Oh, le tir. Pas de faute surtout. Hein. Pas de pénalty. Hein. Oh oui, il y avait le feu là. Et moi, je vais me mettre là au cas où. Allez. Ça n'ira pas plus loin. Ouais, ça va. Oh, aïe, 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 le ballon récupéré, mais tout de suite perdu. Ah, on n'est pas bon. On n'est vraiment pas bon là au niveau des relances. On concède le corner sur un ballon qu'on avait récupéré défensivement. Encore une fois, ma défense qui tergiverse, qui veut dribbler. Alors qu'il y a des lieux pour ça. Et c'est certainement pas dans les 20 derniers mètres. Et là, voilà, il perd le ballon. Encore une fois. Beaucoup trop de temps pour faire une passe. Russell, on est vers la allez. Vérité. Ah, ça va, c'est bien repris par la défense. Taylor. Ah, par contre, derrière. Oh non. Je comprends pas. Ah, il y a vraiment un truc qu'il faut m'expliquer dans FIFA. Bien. Pourquoi mon joueur tacle alors que j'ai le ballon? C'est quand même assez exceptionnel. Ou alors le jeu anticipe déjà la perte de balle et considère que je suis en défense. Seulement pour moi j'ai le ballon. Le défenseur n'a toujours pas touché le ballon. Alors ça c'est vraiment dommage parce que là j'avais armé pour frapper. Et je me retrouve en position défensive à tacler sans aucune raison. Voilà, allez. Non. Ça va. Oh, le ballon peut être en et mets, ouf, j'allais dire mets la tête. Oui, c'était ça, mets la tête. Taylor. Ah, Taylor qui perd le ballon. Pas plus loin. Ah, attention. Oh, j'ai frappé. J'avais pas vu que j'avais le ballon au début. Sinon, j'aurais mis une frappe beaucoup plus forte. J'ai vraiment frappé par réflexe là. Et vous avez vu le temps qu'ils mettent là mes joueurs pour mes partenaires pour faire une passe, le mec qui touche le ballon et j'appuie déjà sur triangle et il lui faut bien 2-3 secondes avant de bouger. Les mecs ont l'impression qu'il leur faut un palan pour se déplacer. Aïe 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 aïe. Ah ça va. La passe est trop longue, ça va en sortie de but. Allez, reviens, reviens, va pas la perdre surtout. Ah, ça va. Ce ballon est pas perdu. Qu'est-ce que ça va tenter là? Oh, j'ai été venu quand même couper. Dommage, ballon perdu encore. Burns.
Qu'est-ce que c'est que ça, une frappe? Ok, c'était une frappe. Et qu'il a frappé alors qu'il avait aucune chance de marquer là. Bizarre, très bizarre là. Et ça va revenir en bas forcément. Là c'est fermé. Il récupère le ballon. Ça va, le ballon est gardé. Allez, on a toujours la possession. Même si là c'est limite. Encore, allez. 'Va falloir faire quelque chose à un moment. Ah non, il la met pas. Toujours pas. Putain, mais c'est un truc de malade. Et la frappe pied gauche. Et elle est dedans. Celle-là, elle est belle. Belle frappe là à 20 mètres qui vient heurter le poteau et qui finit sa course dans le but. Ah, une fois que j'ai vu que j'avais fait la diff sur mon défenseur, la bon contrôle derrière, je me suis dit allez je frappe. Et elle est belle. Et juste avant la mi-temps, ça va faire du bien. Et quelle intelligence face au gardien de but. Mi-temps, c'est la mi-temps ici. Eh bien écoutez, juste avant la mi-temps, hein, il y a un moment que c'était le temps additionnel de cette première période. On dit souvent que c'est le scénario idéal de marquer juste avant. Et du coup, ça vient vraiment, vraiment au bon moment. Il n'y a rien de tel pour donner le sourire à un entraîneur. Ah oui, là je pense que, comme dit Franck Sauzet, le coach doit être content. Il se dispute le contrôle. Oula, dommage. Là, mon partenaire qui a encore une fois trop tergiversé pour faire cette passe. Non. Ah, c'est bien joué là. Ah non, derrière c'est perdu. Bien joué. Le centre. Et voilà. Celui-là il est beau aussi. Belle passe décisive. Là j'ai mis une galette. Il s'est quand même bien détendu. Taylor pour la mettre dedans. Ah, on reverra ça tout à l'heure à la fin du match. Là on reverra ce but. La passe en profondeur dans la surface était vraiment magnifique. Voilà, bien joué. Ballon pas perdu. Taylor. Le centre peut-être. Qu'est-ce qu'il va faire là, Taylor? Ah, il centre. Bon pressing du défenseur. C'est contré, hein. Corner. Changement ah non. Demandé par l'entraîneur. D'accord. S'il y a eu 6 mètres. C'est, bon. C'est un choix. C'est bizarre qu'il ait autant loupé ça que ça, cette passe. Et va mec. Et belle. Et c'est le gardien qui vient la sortir, il y a corner. Ouais, il va falloir s'appliquer sur ce corner. La volée était belle. Elle était cadrée. Eh oui, il fallait. Où j'ai tenté de mettre ma tête. Allez, je vais revenir me replacer avec eux. Voilà, je suis bien replacé là. Oh, par contre là, j'ai mal joué. Un remplacement imminent pour l'équipe visiteuse. Ouais, très bien joué. Allez, la tête, ça descend. Oh, ouais, ça va, c'est bien défendu. Il arrive à dégager tout de même. Ah oui, il la met mal. Là, il doit la mettre encore une fois par-dessus. Là, je fais le bon appel dans le dos de la défense. Il doit la mettre par-dessus, pas au sol. Ah, c'est bien joué. Ouais, il va pas me faire tourner en bourrique 20 ans lui. Ah, la passe est bonne. Ah, par contre le contrôle de Xisco là est pas bon du tout. Elle est croisée. Oh, l'arrêt du gardien. Ah, j'ai essayé de mettre une mine. Hervé, c'était pas facile. Mais j'avais réussi à bien la croiser. Dommage, j'aurais pu aller dedans ça. Et donner un bel avantage à mon équipe là, 3-0, on aurait été tranquille. Allez, c'est bien défendu. Très réussi, il récupère le ballon. Oui, il y a du monde autour de lui, à lui de faire le bon choix maintenant. Allez, la défense là, ouais, bien. Ah non, toujours en jeu. Ballon perdu. Encore. Ah, la bonne occasion avec ce ballon. Pas le laisser frapper, parfait. C'était l'intervention qu'il ne fallait pas rater.
Et le ballon est bon. Peut-être réussir à le prendre de vitesse. Il va aller au bout, il va aller au bout. Ouais, une, deux. Ah, j'ai enroulé. J'avais enroulé. Je pense qu'elle serait bien partie celle-là. J'aurais pu mettre une belle frappe en lucarne là. Non, il met pas de carton. Allez, les deux entraîneurs vont injecter un petit peu de sang neuf. Allez, c'est bien. C'est dommage. J'aurais bien aimé que cette frappe. Tu vois, je l'avais bien enroulé, passe. Nel Kekni. Voilà, ça joue bien. Là. On combine bien, je garde bien le ballon. Et pour l'instant, j'en ai pas dû en perdre beaucoup. On va vraiment faire un match au plein. À domicile qui va faire rentrer du 109. Ça se voit à la note, hein, 9,6. En surface, attention. Voilà, bien. Centre, mais la défense s'est montrée vigilante. Et sont à la allez, pas d'erreur. Voilà. Le ballon est bien récupéré. Le ballon est bon. Et c'est repris par, par le gardien. Il fallait. Qu'est-ce qu'il va me faire? Allez, il va me le perdre, non? Ça va. Oh, dommage. Et bien tenter le 1-2 là, ça aurait pu donner quelque chose de pas mal. En vrai, j'ai perdu quasiment un point hein, en une contre-attaque hein, sur la note. Et il faudrait encore une belle occasion là pour que je finisse à 9. Oh, dommage, j'ai voulu la mettre tout de suite dans l'espace. Par contre, en profondeur, je ne l'ai peut-être pas s'appuyer. Je pense que c'est pour ça qu'elle n'est pas arrivée. Oh oui, bien, très bien récupéré là. Allez. Bien. Non, dommage. Le partenaire qui a mis trop de temps encore. C'est bien ça. Voilà, là-haut. Et le ballon sera bon, hein. Oh, dommage. J'ai réussi à la redresser. Mais le ballon est passé la ligne. À effectuer des changements. Allez, de toute façon, dès que le ballon va dépasser le milieu de terrain, ça va être la fin. Et voilà, l'arbitre qui met un terme à cette rencontre. On va revoir les meilleurs moments là. C'est la fin du match. 2-0 donc. Allez, bon but hein. Regardez, une belle frappe qui vient heurter le poteau. Il faut le souligner sans encaisser. Et là, regardez le centre. Vous avez raison, c'est l'un des enseignements de ce match. Ah, dommage, je vais pas bien le voir. D'user l'adversaire, de lui donner le sentiment que rien ne passera. Ah, faites voir, je peux pas trouver un meilleur angle. Tranquillement, c'est bien. Ah, c'est dommage quand même. Ah là, il est belle. On a bien vu le bon centre. Merci. Bien, au point du moins au coin des 5m50 là, pour réussir à trouver Taylor qui lui a mis un beau but. Et là, c'est ma frappe qui était cadrée et que le gardien vient détourner. Non, non, c'était très, très, très bien joué. Et je pense qu'on sera pas mal là au classement. On va être remonté un petit peu, peut-être repris un petit peu sur le premier. Et surtout creuser l'écart sur les autres. Ça serait déjà pas mal, ça. On a un point d'avance sur Crystal Palace. Bon, après, bon, on en a 5 sur le 7ème. Hein. Ça veut dire que quoi qu'il arrive, on devrait quand même réussir à jouer les barrages. Donc, c'est plutôt pas mal. Alors voyons voir un petit peu stade joueur. Meilleur buteur. Ah, je dois pas être mal hein. Ah, je suis à 2 buts du meilleur buteur qui est William qui joue à Crystal Palace. Donc c'est pas mal. C'est pas mal du tout. Il y a moyen de progresser encore. Alors c'est pas ça. Passe décisive. Hey, je suis au classement des meilleurs passeurs, je suis premier, c'est pas mal. Bon bah écoutez, voilà qui va conclure cet épisode, j'espère que ça vous aura plu. N'hésitez pas à laisser un commentaire, à vous abonner si c'est pas déjà fait. Et on se retrouve rapidement avec un nouvel épisode de FIFA. Allez, portez-vous bien, à bientôt, ciao tout le monde.